What's going on, guys? On se retrouve pour plus de Westland et les infectés. Donc c'est Westland 2 slash zombie infection. Et on continue. La nature est meilleure quand elle est laissée en paix, cette fois. Oh, putain, ta gueule. Fosse, ils viennent de là aux champignons. Non, ça a commencé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh. Ah ouais! Oh 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 oh, t'es à peu près. Sympa, sympa, sympa. Hop. Ah, compétence. Compétence, faut que je reprenne mon bouquin parce que je sais plus le qu'est-ce que j'avais en tête. Ça par contre, faut que j'augmente le flingue parce que maintenant j'ai un flingue super cool, donc Ah oui, non, je crois qu'on va mettre rechargement rapide. Un point d'action en moins pour recharger. Hop là. Ah, ça, c'était pas dur pour moi. C'est plus sombre cette fois, il y a plus de brume, c'est plus intéressant, je trouve. Cette zone là, elle fait assez peur avec le nouveau graphisme. Y'a rien, y'a rien. Oh oh oh! Monstre. Micha, on va te mettre là, toi on va te mettre là. Merde! Je suis trop avancé, putain, non! Tout le monde qui va devoir reculer, merde! Chier! Non, c'est trop bas. Oh non, ça va, là. Elle a mis les trois balles. Embuscade. Toi, on t'avance aussi, embuscade. Ça fait de... Ouh, il y en a beaucoup quand même. Ouh la vache, il y en a beaucoup. Il y en a un bon paquet. Ok, bien joué. Tu te fous de moi. Ah, bien joué. Oh putain, il va faire reculer tout le monde. Ça c'est un peu chiant, ça va. Parce que là il y en a quand même beaucoup, donc je vais pas envie de faire tout péter.
Merde. Putain. Bien sûr, fallait qu'elle tire sur... sur celui-là du... de près. T'as 25 points, comment on va faire? Est-ce que Jack peut faire 25 points de dégâts? Elle va le tuer. Donc on va pas faire ça. Va te faire mettre, toi. 16 points. Ça va, Jack, il devrait pouvoir... Ah merde, j'ai pas bougé, Angela va se prendre une explosion. Bon, c'est pas grave. D'accord. Au final, c'est pourri. Oh la vache. Oh mon dieu. Il a fait carton, Wilhelm. Mais il a pas fait que carton sur le monstre, en fait. Il a tiré sur Jack. J'aime bien parce que j'avais dit que je ferais attention pour les explosions. Pas qu'on se, on se les prenne tous, mais... au final, j'ai fait carnage. Hein. Mais carnage pas dans le bon sens, quoi. On va soigner un peu. Ah là 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 là. Faudrait que je teste à jouer à la manette, tu vois. Voir comment ça se passe. Bon, elle, on peut pas la soigner. Bon, de toute façon, c'est que des monstres. Donc, quand, tant que c'est que des monstres, ça va, c'est pas très dur. Si on commence à combattre des humains, peut-être que je la soignerai, j'utiliserai peut-être quelqu'un d'autre. Y a rien. Je me rappelle qu'il y avait des coffres. Mais là, putain, on voit que dalle déjà. Et je passe la souris pour voir. Oh, coffre. Bonus. Oh, ça c'est le truc de NJ qu'on lui a débloqué, je pense. Bonus. Enfin, je crois. Je crois que ça marche comme ça. Ah, elle est là, là. La réserve d'eau. Hop là. Copy, Echo One. Congratulations, Echo. Ok, je crois qu'on a pas mal de trucs là. Tire en rafale. Je crois que tire en rafale c'est utile parce que 1% de chance d'infliger des effets d'attaque précises par balle en utilisant les attaques normales, armes lourdes. C'est-à-dire que chaque balle qui va tirer avec sa mitrailleuse, il y aura une chance qui... touche les membres, genre les mains, la tête, les jambes. Et ça va déverrouiller, tir écrasant, etc. Donc je crois qu'à la fin, il a au moins 10% de chance par balle. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça risque d'être... Ça va être utile maintenant de tirer avec la mitrailleuse avec lui. Elle, je sais pas trop ce qu'on va faire. 7... Elle gagne en coup critique, donc bon, c'est pas mal. Hein. Ça ferait 4.
talent. C'est quoi les trucs de sniper? Il y a tireur concentré, tireur confiant, veilleur. 15% de finis sous pression. Les ennemis à couvert, c'est pas mal. Aucune pénalité, la chance de toucher sur les attaques d'opportunité. Ouais, ça on va prendre. Parce qu'il y a toujours, quand on se met en embuscade, il y a toujours un malus. On va mettre au moins un fusil d'assaut à 5, puis après tout le reste, on les mettra dans les compétences à la con. Elle, pareil, on augmentera à 5, puis après on l'utilisera pour des autres skills en fait. En gros, ça sera des mules pour les skills. Apparemment, il y a un chemin. Ça va où ça? D'accord, c'est le tour. Oh, oh l'embuscade. Oh la petite embuscade. Le chapeau, ça c'est pour elle. Comment on va faire pour l'embuscade? Parce que là on n'a pas vraiment de place. On va faire ça. C'est Angela qui va poule comme d'habitude. Merde, j'ai pris Athéna, putain. Ok. Avec de la chance, elle peut le tuer. Ah oui, non, c'est vrai que les rafales, ça tire qu'une balle. Quand on commence. Bon, là, elle devrait tuer. Ça va. On va juste reculer un peu. Embuscade. Non, on va pas embuscade avec ça, quand même. Waouh, là c'était de la merde. Angela va pouvoir bouger. Ah, c'est fini. Copy, Echo. Congratulations, Echo. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus de mecs. Talent, est-ce qu'il y a un truc intéressant? Il y a Ted Cruz qui est pas mal. Chasseur minutieux, ça c'est de la merde, on s'en fout. Réflexe rapide. 25% de chance d'esquiver les embuscades des ennemis. Ça c'est pas mal ça. Mais il y a un truc que j'aime bien, c'est les ennemis à couvert. Avec le fusil à pompe, elle va pouvoir les détruire en fait. Destructeur, mais on l'a pas encore. Conservateur, bonne santé, endurci. C'est un peu de la merde. J'en dis que étant à couvert. Ça, c'est pas mal ça. Comme j'avais dit, Athéna ça va être notre classe assaut de XCOM. Wow. Ça va être notre classe assaut. Elle est bonne en esquive et elle est rapide. Oh putain, encore un flingue spécial.
C'est le même que j'ai, je crois. 38 d'elfes spécial, 38 d'elfes spécial, on va pouvoir le vendre cher, c'est bien ça. Ça c'est cool, ça c'est cool. Est-ce que le cercle de Jack est beaucoup plus gros? Ouais, il est plus gros que Vautour, parce qu'il a vigilance 4, je crois. Elle, elle a que 3. Donc il va falloir augmenter encore la vigilance. C'est bien ça. C'est pratique. Voilà. Non, on va passer par là, tiens. Ça mène où, ça? Non, ça revient au début, d'accord. Bon, bah voilà, c'est une quête menée à bien. On va juste vérifier les munitions. Lui, il en a beaucoup. Lui, il faut qu'il tire, parce que c'est vrai qu'il tire jamais, en fait. Il tire rarement, en fait. Le truc. Parce que les machins crèvent avant qu'ils arrivent trop près. Lui, il va falloir lui donner quelques munitions. Elle, ça va. On va charger la mitrailleuse à machin. Merde. Ouais, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, 32. Je crois parce que la mitrailleuse lourde, en normal, elle a genre 20 ou 25 munitions. Alors que c'est une mitrailleuse lourde, elle devrait avoir plus de balles. Donc... Sac à couche-tard, ok. Bon, le reste, on verra ça après. Pourquoi t'as des munitions de fusil à pompe, toi? Elle, faut qu'elle utilise le fusil à pompe beaucoup plus. Mais on va l'utiliser un peu plus. On va utiliser ça un peu plus. Parce qu'elle commence à être bonne, là, Athéna, niveau 8. Elle a plus d'esquive, plus de défense, plus d'HP. Donc on va un peu foncer dans le tas. On va voir un peu comment ça se passe. Charlie 1 to Citadel Base. Damn good to hear your voice, Charlie 1. What's your status? No one dead, amazingly enough. Meth heads couldn't shoot for shit. But I got 3 wounded, 1 critical. Heading for Red Leg, gonna see their doc. 10-4, Charlie 1. Call it location and stay safe. Roger, Citadel Base. Charlie 1 out. Il semble être un vendeur. Ah, tiens, on va enquêter. On va voir un peu ce qu'ils vendent. Peut-être qu'ils vendent des trucs intéressants. Bonjour. Ça, c'est des gens qu'on pourrait tout tuer. Hein. On pourrait tous les tuer. Hein. C'est ça qui est bien. Non, t'as que des trucs de soins et j'ai pas d'argent. Non. Quoi, peut-être qu'on peut vendre... Vendre la camelote. Est-ce qu'on a d'autres trucs à vendre? Ça, on verra plus tard pour les équipements. Ça, on devrait les... Ça, on en avait besoin si on faisait les quêtes de Agrocentre. Mais vu qu'on n'a pas sauvé Agrocentre, ça sert plus à rien. Mais bon, pour l'instant, je le garde, on sait jamais. Mais normalement... Normalement, ça sert à rien. On y va. Donc maintenant, je pense qu'on va faire la prison. On va regarder ce qu'on a à faire. En cours, voilà, on n'a plus que ça maintenant, ça va. Chercher le reste du journal. Nous avons montré le journal 1, interroger As. Nomade du rail. Bon, Nomade du rail, c'est un haut, mais il faut passer les radiations, donc c'est un peu chiant. Village de Darwin, c'est aussi en haut, donc il va falloir passer encore les radiations, donc c'est un peu la merde. Si c'est cette lettre soit amenée, est possible, soit question du mort.
amené une lettre à Cathy, la sœur de Robert. Oh ! Cathy de... Highpool. Ok, là on va aller à Highpool vite fait alors. Oh wow wow, je me prends des dégâts. Non, non, je me prends pas des dégâts, non. Non. Bon, ça c'est cool. On va prendre ça. D'abord on va prendre l'eau, parce que sinon on va oublier qu'on va repartir. Ça c'est tout moi, ça. Charlie 1, c'est Citadel Base. Go ahead, Charlie 1. You make Red Leg? Roger, Citadel Base. But, Doyle didn't make it. He bled out. 10-4, Charlie 1. Bring him home. I'll let his people know. Copy, Citadel Base. On our way. Oh, ça s'est mal passé. Cathy. Hey there, Rangers. Enfin, Kate. Good to see you. So long, Rangers. Non, c'est pas elle, d'accord. Désolé. Good to see you again, Rangers. Désolé. Bon, bah, on se fait soigner. Hein. Cathy, mais elle est où, Cathy? Putain. C'est bizarre. 28%, non, c'est bon, on va pas tester. C'est peut-être la femme à la sortie de la citadelle. Je sais pas. Je vais retourner au passage là parce que Vautour machin là, elle a augmenté en compétences. À niveau 4, peut-être qu'on va pouvoir ouvrir le coffre. C'est aussi que les trucs rouges, là, les scorpions rouges, se sont tous fait défoncer. Et là, il y a le coffre que je peux pas ouvrir. 64%. Ouais, ça va aller, on teste. Tchoot. Qu'est-ce que c'est que ça? Des ringers plaqués or gravés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, intéressant ça. Et c'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé au journal? Tout appel, ouais, ça c'est bon. Aider le docteur à trouver. Huh, ok. Étrange. Étrange cette arme. Y'a pas quelque chose derrière? Non. On va aller reparler à Kate vite fait, voir si elle dit quelque chose par rapport à ça. Et après on se casse. Étrange cette arme. Hey there, Rangers. So long, Rangers. Come back again anytime. Toi là, le connard. À dire. Rien n'a changé non plus. Good to see you again, Rangers. Hmm.
Allez, on va au nomade du... Non, à la prison, pardon. Donc la prison, on doit... Je vois, vous avez trouvé le moyen de tenir des rumeurs au sujet ce secteur, la prison, connaissant le moyen de s'y rendre. Ok. On doit aller à la prison et demander à trouver un moyen pour s'y rendre. Pour se rendre au... Dakota ? Damonta. Moyen d'atteindre Damonta. Ok. Donc on cherche ça. Ça doit être la prison, je crois. Oh merde, c'était un marchand. C'est pas grave. Prison. This pre-recorded message is brought to you by RSM Enterprises Inc. The Arizona Wind is a harsh and unforgiving place. When Desert Ranger patrols you and Harbin, it does apply to these families are wondering where they can be. Well, look no further. The valley is the answer to your prayers. Formerly, Arizona State managed to be managed by the... Oh, allez, Wilhelm. T'es à 5 et t'es pas à 100%. Allez, ça commence à être assez haut les trucs quand même. Je l'ai eu, Wilhelm. Putain. On va taper dessus. Putain. Ah bah enfin. Eh mais tout le monde pourrait être équipé de ce flingue quoi. Bien trouver autre chose que ce flingue quand même. Bonjour, vous tournez à la prison, doit être la fin du monde encore. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez faim de... Hein? Aider. Comment on peut vous aider? Commencez à pousser. Ok. Allez! On pourrait tous l'aider, mais non, on la laisse faire, parce qu'on est des connards. Bla. Sanctuaire, ah bah parfait! Vous avez entendu parler de Damonta. Faudrait mieux de demander à Red. Il s'arrête pas de causer de Damonta, hein, combinaison anti-rate pour cette chèvre. Surtout lorsqu'il est ivre. Donc il nous faudrait de la boisson pour le mec. Chargeur rapido, c'est nouveau ça. Risque d'enraillement et un PA de rechargement. Bon, c'est bon ça. C'est cher aussi. On a combien sur nous? 175. Poids léger. Arme corps à corps. Ouh là là, il nous faudrait ça. SKS, fusil de précision. On n'a pas assez, putain.
On a grave pas assez, 380, c'est beaucoup. Hein. Ah, quoique. 111. On peut, ça y est. Ça, on va le garder de côté. Quoique, on peut le vendre aussi, parce que c'est, ça va pas être utile. Ah, ta gueule, la truc. C'est du 38, ouais, ça va. Voilà. Parfait. Manque de respect, la chèvre. C'est normal qu'elle crie comme ça. C'est vraiment un son atroce, ça a dû attirer curieux, ça hurle beaucoup dans le coin. Red, sa boutique Kama était en haut du Gol Hill. Vous n'avez qu'à suivre le cri et faites gaffe à ses tourelles. Sans le mot de passe, elles vous feront des pièces. Ils appellent son code de client privilégié. Vous n'allez pas avoir changé marchand spécial. Si quelqu'un ici était susceptible d'en avoir ici, ce serait Ren. Mais gare à vous, c'est un marchand rusé, pas un mec sympa comme moi. Le mot de passe, ma dernière vie, je pense que c'est des privilégiés. Il le chante souvent. Privilégié. Ben, je vais pas m'en rappeler. Ok, Jack il a une meilleure arme. C'est cool, content. Ça on va le donner à Angie. Ah mais là, la truc. On pourrait la... Oh tiens, t'as monté de niveau, connasse. Oh ta gueule. Oh. C'est quoi ton problème? Ah merde! Talent restant. Qu'est-ce que tu peux apprendre, toi, un truc intéressant? Éclaireur, c'est quoi ça, éclaireur? Champ de vision, plus 25% sur la carte du monde, s'applique aux caches secrètes. Ça peut être intéressant. Chameau. On est pas dans confiance sur la carte du monde, se cumule avec les membres de l'escouade. J'ai envie de mettre éclaireur. Voilà, on peut pas faire quelque chose avec cette truc. Difficile. Ok, donc on doit trouver un mec qui s'appelle Red. Oh la vache, voilà, je lis pas les trucs aussi longs. Et on doit lui parler de comment aller en prison et il nous faut un truc de radiation, mais on en a déjà acheté un, donc peut-être que je l'ai acheté pour rien. Ça je pense que je vais me le reprendre en pleine tête, en fait, ce truc. De l'avoir acheté pour rien, mais bon, c'est pas grave. I can't take the pain any longer. Bonjour. Le vieux Marco est trop... Enfin, on va réparer le puits, il coule plus le pompe. On trouve une combinaison anti-rad. Demandez peut-être à Ray, je vais savoir. Il y a plein de trucs chez lui, mais il vous faudra le mot de passe. Les dernières nouvelles, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sérieux? Où est Damonta? Apparemment, le voisin serait là-bas, ok. Qui est Red? C'est notre brocanteur local. Plus. Pas plus honnête que nécessaire, il crèche sur Goat Hill. Ok.
Il est où ton puits? T'as besoin d'aide? Mécano. J'ai pas de mécano. J'ai un objet par contre. Mais bon, niveau 1, je pense pas que ça... Non, d'accord. Laisse tomber. On réparera ça plus tard. Désolé. Il a demandé comment était censé labourer. J'ai pris un mur. Qui est elle? Ma femme. Enfin, je n'ai jamais mérité. Il s'appelle ça une amende pour femme improductive. Pour fermier, putain, pour femme. C'est juste une autre façon pour eux de voler les pauvres. D'accord, bon, les machins rouges, c'est des connards, d'accord, ça on a compris. D'accord. Le mec, il va se suicider pour rester avec sa femme. Sympa. Jack, parce que... D'abord que tu checkes la boîte avant de l'ouvrir, on sait jamais. Possible qu'il y ait des choses. Des pièges. Là, y a rien. Là où y a quoi? Ah, c'est quoi ça? Mécano. Putain, mais. On n'a pas mécano! On a toujours un truc qui fait niveau 1, mais bon, ça va pas tellement aider, je pense. 11%. Bon, apparemment, ça, c'est un truc bas niveau, quoi, mais bon. Personne 4 points de compétence. Ça nous ferait niveau 2, ça va passer peut-être à 50%. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Please, Elroy. Oh, Elroy. Elroy. Ça, putain. Papa, quelqu'un arrive. Arrêtez-vous tout de suite. Si c'est mes cochons que vous cherchez, vous arrivez trop tard. On est déjà volé. Attendez, vous êtes les rangers? Oui. Scorpion Rouge m'ont dit qu'il n'y avait pas de licence porcine. Alors ils ont tout confisqué. Super. Red, oui. Tout le monde dit la même chose. Alors le code. C'était code, d'accord. Ok, super. Bon, si vous êtes excellent, Ranger, vous n'avez qu'une sorte de mes cochons. Pff, putain, faut récupérer des cochons maintenant. Putain, on n'est pas des fermiers. Hein. Oh, oh, oh. Ah, ça va. J'ai cru qu'il y avait des explosifs. Yo. Chance de toucher. Journal du fermier. Change de toucher, ça c'est pas mal ça. Sauf que moi j'ai charisme plus 1. On va mettre ça à Willem, je pense.
Ouais. Pourrait mettre ça à Jack, mais bon, charisme, c'est important. Donc bon. Oui, il faut lire le truc, au cas où. Ouais, c'est bon. Bon, je suis sûr qu'on va devoir combattre des scorpions rouges ici. Hein. Les mecs, ils ont pris des cochons, ils ont foutu la merde. Qu'est-ce qui se passe? Une baraque a été construite, une paroi rocheuse. La fièvre, comprendre notre tuer, notre médecin et mécanisme sont trop chers en magasin. Bon, Elroy est allé au temple de Titan pour se soigner il y a une semaine, mais c'est peur qu'il soit arrivé quelque chose. Vous voulez qu'on vous tue? S'il vous plaît, Ranger. La douleur, des morceaux de la douleur. Non, on peut pas la soigner plutôt? S'il vous plaît, tuez-moi. Non? Non, non, on va pas te tuer, non. Je vois pas pourquoi on te tuerait. Pas un chemin. Ah tiens, c'est un chemin ça. Crochetage. Ah. Faut pas augmenter ses skills un peu, elle. 2.4. Ah, ça a réussi. Est-ce qu'on la tue ou pas, la femme? Je sais pas, moi. Non, parce que sinon après il y a Angela, elle va faire chier. Donc bon, on va pas la tuer. Danger, Snarly Caves. On s'en fout, on y va. Ouh, intéressant. Ouh, c'est quoi ça? Rattel. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a beaucoup d'armure par contre. Headshot. Oh merde. Bon bah, on va arrêter ça. Oh, ça fait mal. J'aurais pas dû le mettre en embuscade. Putain. Gaspiller des balles, les mecs. Quoi? Je l'ai pas vu. T'es pas mort? Ah ah. C'est sympa ici. Merde, droite ou gauche? Oh putain, c'est quoi ça? Crapaud. On va aller sur la droite d'abord. Oh putain, c'est quoi ça? Un loup.
loup du désert. On va se placer comme ça. Yeah. Merde, tout le monde a tiré. Merde. Ok, ça c'est un mauvais commencement, c'est pas grave. Putain, vu bloqué, c'est mieux en mieux. Ouh la vache. Tiens, mange. Ouch. Rapidité, fracture, jambe blessée. Vache, saloperie. On va pas pouvoir toucher les deux, je pense. Quoique. Ouais, on peut. Parfait. Cool. Psychopathe, 20 et 10%. C'est énorme. Voilà. Merde, t'es en rafale. Il y a plus de pourcentage. Non, t'es trop loin. Ça. Cool. Merde. Ok. Ça se passe bien, on va se soigner par contre. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va s'arrêter là. Ouais, il a fait une salve de 10 balles, mais il n'a pas touché grand-chose. Oh, des mines. Un champ de mines, je pense. Ok, bon, on va faire ça pour la prochaine fois, donc on va sauvegarder. Oh, ça gueule. On va faire ça pour la prochaine fois. Et on va continuer. On ira aussi l'autre côté de la grotte. Cette zone est assez longue, assez grande, donc on verra ce qui se passe. Et les singes, comme d'habitude, et nous on se retrouve la prochaine fois. Salut, ciao!